Tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Alors, ma première nucléaire sur ce jeu, sur Call of Black Ops 3, bien sûr. Alors, j'étais en domination combine, hardcore, bien sûr. Enfin, hardcore, ouais. Alors, en fait, au tout début, je voulais juste augmenter mon arme ma Weevil, parce qu'au début, je jouais à la Weevil, vous verrez. Je voulais juste augmenter ma Weevil en or, en fait. Fallait que j'avais déjà fait les shots, fallait que je fasse des kills, etc. Enfin voilà, vous connaissez les trucs. Donc j'étais entendu avec ma Weevil tranquillement. Et là, je commence à voir que je commence à être en série. Série nuque. Alors je commence à me dire, je suis en série nuque, faut que je me concentre un tout petit peu plus quand même. Alors, du coup, j'ai laissé. Donc du coup, bah voilà. Nucléaire. Bon, désolé si vous voyez la vitesse de lecture en bas, ce qui compte, ça me plaît. Alors, en fait, voilà, je voulais augmenter ma Weevil en or. Et je vois que je commence à être en série, etc. Donc, quand je vois que je commence à être en série, je me suis dit, je commence à être en série. Faut quand même que je me calme un peu et pas trop. Enfin, rusher le spawn, c'est-à-dire oui et non. Mais voilà. Donc là, vous avez. Alors, mes techniques perso sur drone. Putain, je suis con. Sur combine, c'est. Prends une soigne. Perso, je préfère prendre des mitraillettes quand je suis sur drone. Je gère plutôt, moi, le spawn C et pas trop. Le spawn A, je le gère, mais. Moyennement, je gère plutôt le spawn C. Donc là, vous avez vu qu'un ennemi qui vient de passer à droite. On a perdu Alpha. Mais il m'a pas vu. Je gère plutôt le spawn C. Donc je joue beaucoup capture en ce moment, beaucoup plus capture. Donc pour les personnes, je suis malade. Hein. Voilà, je suis malade, j'ai mal au ventre pour les personnes de mon collège. Donc là, vous voyez, je suis en 9-0, je commence à essayer de me concentrer. Je suis en train de me dire, je suis à 1 ou 2. Je croyais, moi, au début, j'étais en train de me dire. Je suis à 1 ou 2 de mon haters. Ah bah tiens, on peut en mettre. Haters prêt pour intervention. Et donc là, quand je commence à mettre mon haters, je commence à faire des séries. Alors franchement, une chose. Envoyeur Raps en si vous jouez à la Weevil. Et que vous essayez de faire une nucléaire. Enfin, si vous jouez à la Weevil, tout simplement. Les shoots de loin. Faites vraiment attention. Parce que moi, perso, ça va, j'ai du shoot de temps en temps dans des armes. J'arrive à gérer le shoot. Mais franchement, avec la Weevil, faut avoir du shoot. Et comme dit Grony7, hein. Pour la personne qui connaisse, Ronissat il dit c'est pas la peine que j'ai d'avoir une arme qui one shot pour faire ma nucléaire quand t'arrives à avoir du shoot. C'est exactement ça qui c'est vrai. Si vous avez du shoot, vous pouvez même jouer au pistolet, vous pouvez faire une nucléaire. Enfin, je pense, Gotagal l'a fait, mais perso, après, ouais, je sais pas ce que je pense. Donc là, vous avez vu, hop, je suis mort. J'étais vraiment dégoûté, 15-0. Enfin, pas trop 15-0 parce qu'il y avait une rap, un peu moins. Faudrait quand même que je tente une. Enfin, pas que je tente une éclair, mais j'étais vraiment dégoûté. Je me dis, oh, j'ai même crié pour vous dire, oh le bâtard, etc. Il m'a buté, mais c'était pas sérieux, c'était pas vraiment. Quand j'ai insulté, c'était pas vraiment. En fait, vu que j'étais en train d'augmenter ma Weevil en or, du coup, j'avais pas d'accessoires. Donc, j'avais vraiment seul. Donc après, je mets mon petit. J'avais mis mon hater, c'est mes raps. Je commence à. Essayer de plus me concentrer. Là, je vois quand même. Il y a quand même une petite série qui. Je vois qu'il y a une série qui commence à se. À se former. Enfin, à se former, ouais. Donc là, je commence à voir. Moi, je me dis, oh putain. Et là, le mec au lance-roquette, il est tellement. Je me suis dit, pourquoi il joue au lance-roquette ce drone coup. Je recharge, attention. Mon petit drone. Ouais, voilà. Donc, du coup, je suis comme ça. Là, je suis en train de capturer B. J'ai pris un petit. Je me suis dit, je capture B, j'essaye. Je prends B. J'arrive à prendre B, je fonce dans ce point ennemi avec mon drone, je vois un mec là. Hop, je remeurs, je suis encore le seul. 24-2. Je me dis putain, ça fait déjà deux fois que je me rends en série. En plus, attends à un ou deux kills du haters. Oui, bon. On va voir ce que ça donne, on va penser juste à augmenter ma Weevil en or. Et si on voit que je suis en série, écoute. Ah, ça c'est une petite technique que je vous conseille de faire quand vous avez votre. Que vous avez fait là, quand j'ai passé au-dessus. À cet endroit, quand j'ai passé au-dessus. J'ai fait ça perso. Donc là le mec tellement con, il s'est pas visé, il galère au snipe à me tuer, mon allié le tue, trop content. Non mec, je tue, je me dis qu'il y a le deuxième quelque part, on me voit, il y a le deuxième. Là en fait, quand on commence à activer votre rôle dans l'hardcore, vous pouvez faire des grosses séries.
Donc là, je commence surtout à rush. Parce que moi, j'aime ma nucléaire. Je voulais vous faire une nucléaire où je rush. Enfin, j'ai essayé de faire une nucléaire. Oh là, j'ai eu gros coup de chance. Je voulais vous. Là, il est mort à l'allié, je l'ai pas tué. Je me suis dit, je voulais vous faire une nucléaire où je rush et pas trop une nucléaire où. Mais voilà. Donc là, je commence à rusher la nuque. Donc je commence à pré-shoot, etc. Regardez, hop, là, je pré-shoot. Là, je commence à. Désolé pour le petit truc, je suis pas vraiment content. Là, l'ennemi, je commence à on peut dire un spawn kill, pas spawn trap, parce que vraiment, vous bougez pas spawn trap, un spawn kill juste. Donc voilà, ouais, là, je commence à être en série. Là, je prends une petite Sheva par terre, je me dis, putain, la Sheva, faut que je prenne une autre arme parce que je veux manquer, j'ai plus de munitions. Bon, là, je vous avoue que j'étais resté dans cet endroit-là, parce que, j'étais à 96, enfin, on était à 96 de la première mi-temps. Donc du coup, là, je commence à recharger la UV quand même. Je crois que j'ai fait un petit kill à la fin. Après, je me suis dit, calme le timer, regarde le timer. J'ai plus trop rush, hop, j'arrête. Donc je suis resté là, j'ai juste visé à cet endroit-là et j'ai pas bougé. J'attendais qu'il y en ait qui passe. Voilà, hop. Là, je suis à la Wii, je me dis. Je continue à aller avec la Wii, avec la Wii, le problème de la Wii, j'ai pas d'accessoires. Je me dis. J'hésite un peu. J'hésite un peu à continuer la Wii. Bon. Du coup, je me dis. Bon. Je vais essayer d'assurer la nucléaire. On sort à la Razorback. La Razorback, les gens en hardcore, c'est le duo. Ça, c'est le feu. Comme dit Zach Nani. Donc je me dis, je prends la Razorback. Là, je me suis dit, je vais peut-être avoir un drone. J'active ma concentration. Je crois que j'ai pas mon drone. Je vois un mec qui active son drone. Comme un con, je suis là en train de. Enfin, pas un con, mais je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un qui passe, qui va passer. Je suis con, j'ai un drone. Je vais peut-être tenter de rush un peu plus. Là, je vois un mec qui est là. Là, j'ai vraiment eu peur. Donc, je fais que tirer. Puis, je tirais à côté. Je me battais les couilles. Comment que tirer? Donc, là, je décale à gauche. Faut pas trop le faire, mais personne ne savait que je le fais. Pas trop peur. Là, je vois un allié, c'est pas moi. Là, c'est un allié qui me met à la peur. Ah oui, je dois dire. Je suis en solo. En solo. Il y a plein de youtubeurs qui mettent leur mieux pour prendre la vie peur aussi. Il y a plein de youtubeurs qui mettent leur d'ordre. Au début, il la mettait pas en solo. Ma première éclair, moi, je la mets en solo. Donc là, j'attendais le mec, hop, il me dit, c'est mon TK, j'y vais. Je pense pas trop à rusher. Je vois un mec à l'armure cinétique, je lui dis, écoute, je vais le laisser. Là, je monte, le mec, il est mort. Bien le seum. Là, je commence à stresser. Je vous avoue que là, le stress, c'est commencé à mettre. Là, je vois mon haters. Donc, j'essaie de mettre mon haters, mais je vois que moi, il y a déjà un ennemi qui met le haters. Là, je me dis, ok, je me croyais qu'il y avait encore le haters comme un con. Là, je vois pas qu'il y avait pas le haters. Je le tue, je me dis, ok, c'est bon, il y avait pas le haters. Je le mets, je le pré-shoot. Je l'ai. Là, je crois que j'étais à 22. Bah, et là, je vois le mec sur B. Je le shoot, je le tue sur B. Là, je laisse mes raps passer, mais j'avais un peu peur de perdre de mes raps. Parce que Gotaga, il a raté pas mal de ses nucléaires à cause de ses raps. Donc, il y a des moments, j'étais près de mes raps, donc j'avais pas trop peur. Voilà. Le spawn C, je le gère vraiment pas mal. À tout seul. Si je reste dans cet endroit-là, non. Quand vous voyez que les ennemis pointent à gauche, allez à gauche, à droite, vous allez à droite. Là, on peut le dire, j'attendais un peu. J'avais pas de drone, j'étais en stress. Là, je vois. Un allié qui met le drone. Je suis vraiment content. Donc, je suis le mec qui est dans mon bac. Le spawn qui change. Là, je tue le mec qui est là. Là, je sais que j'étais à pas beaucoup de la nucléaire. Ouais, je suis à 59. Ouais. Je sais que je suis à pas beaucoup de la nucléaire. Et là, je vois. Tueur nucléaire. Carte de visite nucléaire. J'étais trop content. J'ai crié dans ma maison. Putain, nucléaire! Nucléaire, ma première nucléaire dans ce jeu. Je suis trop content, putain. J'écris ça. Donc je me dis quand même, bon, les gunstrikes, je m'en fichais un petit peu. J'étais surtout content de ma nuque. Les gunstrikes, je commence à faire des kills. Moi, nucléaire, je m'en bats les couches. Alors, oui, vous voulez savoir, bizarrement, là, j'ai vraiment chute de merde. Je sais pas si vous le verrez, mais... Attendez, j'ai baillé, c'est pas grave. Je sais pas si vous le verrez, mais... Ma carte, enfin mon marmar de clan, c'est chat. En fait, c'est un délire que j'ai eu avec iPod. Toujours la chaîne de mes potes dans la description, donc WIDIC59, etc. Toujours, hein. iPod, etc. Toujours aussi. Ça changera pas. Donc,
Là, je rush parce que voilà. Je leur ai toujours leur chaîne. Et moi, c'est important, leur chaîne quand même. C'est la chaîne de mes potes et on essaye quand même d'augmenter un peu tous ensemble. On n'y arrive pas trop. Malheureusement. Enfin, tous ensemble, pas vraiment tous ensemble, mais ça doit augmenter nos chaînes à nous plusieurs. Bah maintenant le problème je sais pas trop en fait. Je pense que je vais rester dans une team en fait, c'est pas une team de Call of, c'est une team de tous jeux confondus. Donc c'est la team pas Very Peppers, parce que dans la team Very Peppers c'est vraiment le bordel, enfin je peux le dire quand même. C'est franchement enfin voilà, c'est un peu le bordel. La team Tizer, franchement la team Tizer. Voilà, la team Tizer, je suis avec Juju. Ça va, Juju, je connais bien maintenant. Je suis content d'être avec lui. Je suis fier d'être dans sa team, perso. Après, il y a peut-être une personne nommée iPod ou The Ghost. Je sais pas s'il aura le courage de dire à la Very Peppers qu'il est encore dans la team. Qu'il est dans la team Tizer maintenant. Bon, je sais pas. Après, il fait comme il veut. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était dans la team Tizer. Bon, bref. Le gameplay va bientôt s'achever. Bon. Sur ce, les gens, n'hésitez pas à liker, à commenter, s'il vous plaît. Abonnez-vous, laissez des pouces bleus, ce qui m'étonnerait. Mettez un pouce bleu. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Pas de musique, désolé. Au revoir, les gens. Hater allié en approche. On va perdre Alpha. On a perdu A. Sécurisation de C. Sécurisation de A. La manche est presque finie. Sur votre lancée, on va perdre B. Drone en approche. Cerberus allié en approche. On va perdre Charlie. Drone allié en approche. Sécurisation de A.